Le président des États-Unis, Joe Biden, défend les dirigeants israéliens qui sont visés par une demande de mandat d'arrêt internationaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est une décision qui, bien entendu, a aussi été accueillie avec beaucoup de colère en Israël. À nouveau, le reportage de Marc-Antoine Lemounian israeli prime minister benjamin netanyahu and minister of defense Yoav galant demanda d'arrêt contre le premier ministre israélien et son ministre de la défense c'est la demande qu'a officiellement déposé le procureur de la cour pénale internationale pour the following international crimes committed on the territory of the state of palestine from at least the 8th of october Accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, le procureur leur reproche le fait d'affamer délibérément des civils, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou encore le fait de diriger des attaques contre la population civile. And allegations of crimes of committing other inhuman acts. Les trois principaux chefs du Hamas sont également visés par la Cour pénale internationale. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity. This would be an outrage C'était en avril dernier, le premier ministre israélien commentait sur l'éventuelle décision de la Cour pénale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Son ministre des Affaires étrangères, lundi, parle d'une décision scandaleuse, un déshonneur historique, ajoute-t-il. Le président américain rejette l'équivalence établie par le procureur entre Israël et le Hamas. Quant à l'organisation, elle dénonce les tentatives du procureur d'assimiler la victime au bourreau. Les juges détermineront si les conditions sont réunies pour délivrer ses mandats d'arrêt. Pendant ce temps, la guerre ne donne aucun répit aux Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est un matin difficile à Rafah, une nuit de bombardements intenses. L'armée intensifie ses opérations militaires dans l'est de Rafah malgré les avertissements de la communauté internationale, dont les Américains. Marc-Antoine Le Mignon, TVA Nouvelle.